Lorsqu'au détour d'une conversation, il est question de psychanalyse, bien souvent, c'est à Freud que l'on pense, parfois à Lacan. Mais saviez-vous que d'autres psychanalystes ont fait évoluer la psychanalyse et ont grandement contribué à son développement, tant du point de vue théorique que clinique? Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un d'entre eux, Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi est un psychanalyste hongrois, né en 1873 et mort en 1933. Il fut considéré comme l'enfant terrible de la psychanalyse pour avoir été audacieux dans son approche théorique et innové dans sa pratique, ce qui lui vaudra d'être rejeté par l'Association psychanalytique internationale. Freud est le père de la psychanalyse et Ferenczi aurait bien aimé être son seul héritier, mais les choses ne se sont pas passées comme cela. Freud n'approuvera pas la conception du trauma, encore moins l'analyse du contre-transfert, et n'entendra rien à la théorie de l'introjection que propose Ferenczi. Le trauma, ou traumatisme, est un événement de la vie du sujet particulièrement intense, auquel le sujet en question est incapable de répondre adéquatement. Un événement qui bouleverse et a des effets pathogènes durables sur l'organisation psychique. La problématique du trauma réside dans le fait que l'on ne sait pas s'il s'agit d'un événement réel ou d'un fantasme. C'est d'ailleurs ce qui poussera Freud à se désintéresser de cette conception du trauma et lui vaudra un désaccord avec Ferenczi. Ferenczi, de son côté, reprendra les recherches sur le trauma qu'il considère comme provenant bien souvent d'un événement réel et toujours d'ordre sexuel. Il s'agit d'un choc remontant à la petite enfance qui provoque un éclatement de la personnalité, ce qu'il appelle une psychose passagère. À la suite de ce choc, l'enfant va devenir soit l'infirmier, le psy de ses parents, soit son propre médecin, une partie de sa personnalité clivée maternant l'autre. Si le traumatisme est de l'ordre de la maltraitance, l'enfant adoptera la stratégie de l'introjection. L'introjection, c'est un concept conçu par symétrie avec celui de projection. Dans le processus de projection, le sujet va expulser hors de lui ses investissements libidinaux. Par exemple, le paranoïaque va projeter dans le monde extérieur l'amour ou la haine qu'il nie en lui-même. Dans le concept d'introjection, le sujet va placer en lui les investissements libidinaux du monde extérieur. Par exemple, le nourrisson ne va pas aimer la mère réelle extérieure à lui, mais une mère fantasmée, hallucinée et intériorisée. Avec Freud et Jung, Ferenczi pratiquera l'analyse mutuelle des rêves. Il reprochera aux psychanalystes de son époque de refuser l'analyse du transfert négatif et de se cacher derrière les résistances. L'analyse du contre-transfert est pour lui très importante. Il s'agit de dépasser ces résistances de l'analyste en faisant état de l'ensemble de ses réactions inconscientes face au transfert de son patient. Ferenczi ira jusqu'à faire part de son contre-transfert à ses propres patients. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de Sándor Ferenczi, je vous conseille 4 de ses ouvrages. Donc le traumatisme, la confusion de langue entre les adultes et l'enfant, l'enfant dans l'adulte et enfin Thalassa. Ferenczi a apporté beaucoup de choses à la psychanalyse, tant du point de vue théorique que du point de vue clinique. Il était particulièrement attaché à faire preuve d'honnêteté envers ses patients et adapter ses techniques en fonction de chacun. Il utilisa des techniques de relaxation et employa pour des cas bien particuliers la technique active, assez directive, consistant à inciter le patient à affronter son symptôme. Ferenczi était
un véritable explorateur de l'inconscient, et la psychanalyse d'aujourd'hui lui doit un travail fondamental sur le trauma. Si vous avez des questions ou des informations à communiquer, vous pouvez les poster en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si la psychanalyse vous intéresse, vous pouvez aller consulter les articles que j'écris sur mon blog. Et enfin, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Un grand merci et à très bientôt.